Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour la suite. On continue l'acte 3. Augmenter l'aventure. Enfin, le niveau d'aventure. Je m'étais arrêtée au niveau 15. Et donc on reprend tranquillement. Bonsoir à ceux qui rejoignent. Alors, on a les quêtes quotidiennes aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore joué. Eau du Morne-Vent, Eau du Morne-Vent, ok. Hop, let's go. Ah oui, il faut que je redonne la santé. Come on, let's take a look. Voilà. Comme ça, ils sont comme tout neufs. Bonsoir, ma chip. Ça va et toi? Passez une bonne journée. Ah mince, il est pas mort. Oh mais il y en a d'autres. Prepare to be blown away. Oh l'enfoiré. Oh il fait mal lui. Cool it. What's the hurry? Freeze. Yes. Tant mieux si ça va, Mochip. Moi, j'ai été dans les travaux aujourd'hui. Il y avait de quoi faire. J'étais bien occupée. Et puis ça va, il faisait pas trop chaud, donc... J'ai pas trop transpiré, comme on dit. Mais j'ai bien avancé. Une espèce d'arche. Il doit y avoir quelque chose, non? Parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait quoi? Alors actuellement, je suis en train de faire mon carrelage dans ma salle et il y avait un peu trop de joints, donc il a fallu que je fasse un petit peu de... Oh mince, j'ai loupé ma cigogne. Voilà. Il a fallu que je fasse un petit peu de meule pour enlever le surplus de colle à carrelage, parce que je m'étais un peu foirée. En fait, il n'y a rien du tout là. Je monte pour rien. Là, il y a un camp. Putain, il est énorme le camp là. Eh non, je rigole pas. Je suis la big boss. Big boss du bricolage. Ah, ça c'est le truc du défi. Ah bah non, pas pour moi.
Une autre fois peut-être. Hop là, une grenouille au passage. Ah. La musique s'est arrêtée. Ah, c'est le truc du défi ici. Je vais pas le faire. D'ailleurs, je l'ai pas déjà fait ici. Peut-être pas. Foiré. Enfoiré de sanglier. Ah, il y a un animoculus. Il y a un animoculus et des méchants. Donc là, hop, je vais prendre Mumber. Go go Berry Bunny. Ah bah il est déjà mort le machin. Mais ils avaient quel niveau? Je les ai tués direct. J'ai pas fait gaffe. Ok, il y avait rien dans les caisses. Is this an answer from this world? Et c'était pas ici. Donc on a dit l'animoculus qui est tout là-haut. Évidemment. Et voilà. Oula. Ah, allez, la maquette. Oh, je me suis foirée. Oh, oui, niveau 4. Tu m'étonnes que j'arrive à les battre. Les chevaliers de l'ordre ne valent pas grand-chose, voilà ce qu'il y a. Des monstres bloquent le chemin et le passage est interdit. Les chevaliers n'ont pas encore résolu le problème, tu parles d'une bande d'incapables. Mes affaires n'attendent pas. À cette allure, combien d'argent je vais perdre? Mais tu m'as l'air d'être une aventurière, je me trompe? Si je te paye, tu m'aides ou pas? Bah oui. Ah, parfait, parfait. Une fois le travail accompli, tu ne le regretteras pas. Je sais même pas ce qu'il va me donner. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai bien l'impression qu'il y a de plus en plus de ces saletés de Brutocolinus aux alentours de Mondstadt. On va savoir ce que font ces imbéciles de chevaliers de l'ordre. Oula. Puisque tu es d'accord, va t'occuper de ces monstres pour moi. Bon, tu es seul, c'est sûr. Bah, débrouille-toi, comme tu peux. Mais nettoie-moi tout ça. Et alors là, le gars, aucune pitié. Choisis un endroit, au sommet, sur le flanc, ou au pied de cette hauteur, et va me nettoyer tout ça. Putain, le mec, il donne des ordres, je suis là pour l'aider. Putain, qu'est-ce qu'il me met dans la gueule? Fais comme tu l'entends, du moment que tu te dépêches, je suis pressée. Ah ouais, en plus, faut que je me dépêche pour lui. Je reste en bas. Il y a juste une bande de Brutocolinus, rien de bien dangereux, mais autant s'en débarrasser. Vas-y et nettoie-moi tout ça. Une minute devrait suffire. Ouais, abusé. Comment il parle, le gars? Je l'aide. Comme ça. Et oui, il m'en met plein la gueule. Là. Merde. Oh putain. Allez, nettoie. Oui, je nettoie. Je me dépêche. Hop, je prends mon coffre en haut au passage. Hein. A reward on the road.
J'ai de la viande, c'est bien. Oula. Oh l'enfoiré. Oh la vache. Heureusement qu'il est niveau 5. Ok. Ça va, ça a été rapide. Ouais, ça va, ils font pas trop mal. Je vais me prendre une petite pierre aussi. Au passage, un minerai. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Pas du tout. N'importe quoi. Ça marche pas. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? Windblade. Ah oui, molette. Rien du tout. Je récupère le coffre. Ah! Il y a une grotte. Une grotte cachée. Je savais bien qu'il y avait un petit piège comme ça. Bim! Ah, c'était pas ça que je voulais. Tant mieux, un coffre. Is this an answer from this world? Un coffre. Salut Spé. Eh oui, droïde violet qui est revenu. Reprends les lives. Tranquillou. Close. Un coffre, un yonk. J'en avais loupé un. A reward on the road. Ok, c'était juste ça. Et bah très bien. Je retourne voir le scientifique pour valider la quête. Parce qu'il va me demander d'aller en haut maintenant. Parce que c'est un incapable. Alors, tu as fini ce que je t'avais demandé de faire ou non? Oui, c'est fait. Eh bien, aussi peu efficace que les chevaliers de l'ordre, à ce que je vois. Oh, l'enfoiré! De quoi je suis peu efficace? Une minute aurait dû suffire. Ah, j'ai été trop longue pour toi, vas-y. Ah, il abuse. Enfin, à quoi bon perdre mon temps sur ces détails? Tiens, 1000 moras. Vous pouvez partir maintenant. Putain, le mec, quoi. 1000 moras. Quel radin. Ouais, Paymon, c'est un radin.
Si vous étiez un peu plus efficace, vous seriez mieux payé. Allez, prenez votre récompense et oust. Oh la vache. J'espère que je vais pas le recroiser, ce gars. Tu nettoies mal. Ouais, apparemment. Hein. Comme quoi, le nettoyage, c'est pas fait pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ah, un animoculus. On monte. Ah, il y en a un autre qui vient d'apparaître sur la map. J'allais récupérer l'autre d'abord. Hein. Parce que celui-là, il va me faire retomber. Ah oui, je me souviens. Et le dernier, il est là. Et voilà. Après, il n'y a plus rien. Alors, récompense. Ah, il faut que je retourne à mon stade pour récupérer mes récompenses. Tac, et je veux ça. Donc, la prochaine. Elle est Vallée tombée étoile et elle, Temple des mille vents. Elles sont l'une à côté de l'autre, donc très bien, j'aurais pas besoin d'aller bien loin. Je vais faire l'autre d'abord, elle est au même niveau que moi là. Alors, elle est par là, la quête. Oh, c'est une bestiole énorme. Et bah c'est parti. Ah, immunisé. Salut CX. Et oui, de retour. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça va et toi? Il est mort. Bon bah c'était facile. Est-ce qu'il y aurait pas un coffre qui traîne quelque part? T'as décidé de me parler en anglais hein, ce soir. D'accord. Là mais y a pas de souci, je peux te répondre, mais je te répondrai en français.
Qu'est-ce que je fais? Bah là, je suis en train de faire les quêtes quotidiennes. Je sais même pas comment on dit quête quotidienne en français. En anglais. Quest. Ah ouais, ça joue pas le jeu. Vas-y, quête quotidienne, quest... Day. Oh. Wouah. Non, c'est pas lui. Hebdo quest. Hebdo, c'est pas un truc... Ah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un truc français, Hebdo? This moment will be frozen in time. Commission. Commission. Cool it. Dodge this. What? Ça a explosé, j'ai rien vu. Freeze. Dodge this. Il va me faire chier le magicien, faut que je le tue. Don't push your luck. Bim. Allez, à ton tour. Oh, so sorry. Ok. Daily quest. Ok. Ah oui, bah oui. Ah non, c'est commission. Alors ça, je l'avais déjà lu. On est en France, on parle français. Oui, effectivement. Non, je suis en Australie, moi. Un kangourou. Wing. Spé, ça veut dire quoi? Spé, le mot français. C'est pas français, spé? Bah, du coup, j'ai fini toutes mes quêtes quotidiennes. Qu'est-ce que je vais faire? Celle-ci. De suite le mot R. Je veux juste me téléporter au plus proche de la mission. Je suis niveau 16. Ah bon? Non, pas encore. Eh non. Spé en français, ce serait spécial. Oui, mais ça s'écrit pas pareil. Spé avec A-I-T. Oula. Ils sont prêts pour la bagarre.
the dodge this. Cool it. Oh, il y a un magicien. Faut que j'aille tuer le magicien. Il est où? Là. Freeze. Allez, bim. Cool it. Dodge this. Bim. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Freeze. Mince, c'est pas ça, je voulais faire F. J'ai peut-être mis parce que c'est une question, faut pas me rep avec un A bon. D'accord. J'ai pas capté. Bon alors, Spé, quand est-ce que tu reprends les lives? Je te vois plus dessiner. Y'a un magicien ou pas? Ouais, y'a un magicien, bien évidemment. Freeze! Don't get frostbite! Dodge this! Don't push your luck! What's the... Cool it! Dévisser. Mais non, j'ai dit dessiner. Trop chaud. Ah bah oui, c'est vrai, toi, dans le sud. Aïe aïe aïe, ouais. Exact, j'ai pas trop ce problème. C'est ça qu'il faut que je tape. À la ramasse, oui, ça va, oh. Je suis pas à la ramasse. Aïe. Je réponds à côté. Qu'est-ce que j'ai répondu à côté? C'est du sperme de taureau dans le Red Bull. Il est où le point d'interrogation? Là. Allô? La réponse en live. Pourquoi c'est quelque chose? Moi ça va, moi je vais bien, hein? Pas vous? Cette carte me suit depuis mes débuts, j'y ai marqué beaucoup d'endroits. Ça aurait été embêtant de ne plus la revoir. Tout ça pour une carte. Non mais je commence à être habituée avec ces deux-là. Hein. T'as fait pas aspect. J'aurais vraiment eu honte de redemander un nouveau guide de l'aventurier à Catherine. J'aurais été la risée de toute la guilde si on apprenait que j'avais perdu mon guide en pleine aventure. Merci beaucoup, je ferai attention à mes affaires la prochaine fois. Prends ça en récompense. Combien? Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Mode multijoueur débloqué. Ah yeah. En fait, j'aurais pu le débloquer bien avant, je pense.
Et ça y est, j'ai le niveau 16. It's a good day to go gliding. Ouais, bah vous avez fini par être catégorisé, bah bien sûr. Merci, merci. C'est assez inattendu, j'avais préparé tellement de plans de secours, on ne va en utiliser aucun. J'avais notamment préparé un plan d'évacuation de la population avec instructions sur la survie à l'extérieur de la ville. Comment établir un camp, comment lutter efficacement contre les parasites, comment éviter les monstres. Bah tant pis, rester entre les murs de la ville vaut mieux que la vie dans la nature. Certains de nos membres m'ont fait savoir que des monstres convergent du côté du bois des murmures. Mais je n'ai pas assez de personnel pour aller voir de quoi il s'agit et je dois rester ici, diriger les opérations. Voyageuse, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Évidemment. La team super chiant. Oh là 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 là! Mais c'est quoi ce chat? Entre les super chiants et les racistes, oh! Ça va, oui? Je vais peut-être faire la tâche ingrate quand même. Going to explore the ruins today? Welcome to the Adventurer's Guild. On a la commu qu'on mérite, donc t'es peut-être les deux, toi. Eh bah, qui sait? Haha, mystère. What's the hurry? Lisa. Attends. Là. Ah bah là. Hop là. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Est-ce que j'ai vu la vidéo? Ouais. Bah ça fait beaucoup penser quand même enfin au mode de jeu de Genshin Impact. Bon, bien sûr le scénario n'est pas le même. Et il y a tout ce qui est en lien avec des kits armés, on dirait. Mais ouais, c'est sympa. Hein. Après, j'aime bien Genshin, donc pourquoi j'aimerais pas l'autre? Ah ouais, c'est différent. Vraiment différent. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? So, did you have something you needed? Or did you just come to see me? Ooh, a smooth talker. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. Tu parles de XXX? Hein? What's with your ominous tone? En mode chip, t'étais loin là, hein? XXX. Je dirais que tu parles de porno quand tu mets ça. Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat Travel Guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Je te demanderai un petit peu de décence quand même, hein. Ooh, sounds like it could be helpful. XXX Tentation, c'est quoi ça?
C'est une musique. Do you think we could take a peek? Ici, c'est un film. Avec Vin Diesel. D'accord, mais je sais pas. Jamais vu. I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Ouais, je suis inculte. Vraiment, vraiment. Après, le rappeur, je le connais. Oh dear. Mais j'ai pas vraiment écouté. That's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. I really wish people would just return their books. Il est mort. Oui, je sais qu'il est mort. Kikix. Tentation. Tout ce que tu sais faire, tu fais faire, c'est manger des papillons. Et j'ai mangé comme papillon. Miam miam. On time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot? Such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Teyvat travel guide sooner, you'd better come with me. Ça commence à tailler là, hein. Ma culture, elle est très bien, ma culture. J'ai une chose importante là, j'ai des problèmes de livres à régler. On s'occupera de ma culture plus tard. Lisa seems really scary right now. You really are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So let's meet there shortly. Parler à Marjorie au sujet du livre. Je suis culturée. Ouais. Exactement. Please be quiet within the premises and refrain from making a racket. Ça va vite. Elle est déjà là. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. So it is. In that case, I declare this the day of... The day of my life I wish I could get back, because I spent my first ever outing with someone taking them on an annoying errand. Ouais, c'est long, ça. Don't you think that's a bit long? Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, yes! Let us pick! Take a look around. There's sure to be something she'll love. Faut choisir un cadeau. Les points d'interrogation, c'est très bien. Take a look around. There's sure to be something she'll love. Ah non, c'est pas ça. Un this ancien is parchemin. A historical relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear. But this thing in the painting must be well over 1,000 years old. Though it... My goodness! This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. My, my. You clearly know a treasure when you see it.
This is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. C'est quoi un théo? Un teraoctet? Goodness, is that the time? Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself. Ah! Ah oui, d'accord. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue, even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put two and two together as soon as I saw you here. Here you go. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. C'est bon, c'est fini? Ah non, il y a encore un truc. Parler à Sarah. Oh. Oups, c'était pas ça. There's a strange wanderer near Wolfendom. Welcome to Good Hunter. Three! Oh, my apologies. Please sit wherever you like, and call me over once you're ready to order. So, we're gonna eat first and bring up the book situation later? Ta façon de parler aux gens est spéciale. Ah bon, dans quel sens? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Commander un plat. Ah oui, oui, j'ai frappé avec mon épée, ouais, exact. Mais c'était une faute touche. Faute de touche. Je suis en train de bouffer des mots. What does Lisa like to eat? She's been here a few times with Master Jean for afternoon tea before. I think she normally orders something vegetarian. A lady tends to eat cautiously on account of her physique, after all. On that note, I should probably be watching my own diet a little more. C'est bon? Ah non, j'ai pas encore commandé. Oh. Ok, donc il faut que je prenne. Y a pas de. Un plat végétarien, mais y a pas de plat végétarien. Purée. À propos de Storm Terror. Ok, c'était pas du tout ça. Donc. What does Lisa like to eat? Non, mais ça je sais déjà. Je She's been here a few times with Master Jean for afternoon. A lady tends to. Comment est-ce que je sélectionne le plat végétarien? Parce que là, si je fais ça, j'ai pas le plat végétarien. Je lui prends du beurre. C'est pas mal ça. Non, honnêtement, je sais pas. Peut-être que je retourne à la table en fait. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious.
une soupe de radis. Et ben, c'est parti. I imagine that making a good vegetable soup takes good quality ingredients, cooked in the right order, at the right heat, for the right length of time. At least, those are the principles that apply when one is making potions. But from what I've heard, soup making was a popular pastime among the witches of the past. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Oui, allez. Soup de radis. Finished ordering? Sit here. Let's dine together. It's been getting quite busy recently. Asseyez-vous. A fine choice. I'm pleasantly surprised. C'est les gens qui veulent entrer dans ton monde. Bah d'accord, mais comment ils m'ont trouvé? Enfin, je sais pas. Au début, mauvaise idée, sauf si tu connais la personne. Bah non, je connais pas la personne. A truly enchanting dish. La personne, elle s'appelait Et l'autre, elle s'appelait Trois Petits Points. With elemental energy after that. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? Je peux joindre n'importe qui. Ah ouais. Ok. Ouais, ça m'intéresse pas trop d'aller joindre quelqu'un. Bon, en tout cas pour le moment. No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. Elle l'a I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. Ah, y'en a encore. Elle veut juste se faire offrir plein de choses. Eh. This is our final call for ah, the day. C'est la dernière. Très bien. Welcome. Couples are our specialty. Let me know. Ah, yes. Now, which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without romance"? Take the hint. Never mind. Your ignorance is somehow rather adorable. Oui, elle voulait juste que je lui offre des fleurs. J'avais compris en vrai. Since you're here and Lisa is here and this is a flower shop, you might as well get a bunch of flowers, right? It only makes sense. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Eh ben des fleurs de brume, c'est très bien. Flowers over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? What an... What? It's just that Lisa seems to use electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. Ah. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Bon, je vais lui prendre des pissenlits finalement. Some flowers for Miss Lisa? What would you... Dandelions are one of our classics. And a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They're a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land that the dandelion evokes. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Oui, c'est bon. Dandelions? They actually sell dandelions? Ah, je crois qu'elle aime bien. They have a refreshing scent, similar to the one Jean wears. Thank you. D'accord. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business?
My business is selling flowers. Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies ring a bell. Princesse Neige et les Six Nains. Le remix. Oh, yes. Well, what happened was... Oh no. On dirait elle a peur qu'on la tape. I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library. Vu ma façon de parler, bon, ça va, je parle bien. But I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there, on my bedside table, right where I left it. Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. Je sais pas où, là. I heard that. Génial. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be 10 times worse than stealing my book. C'est pas ma faute. Elle m'a saoulée. Like Paimon said, totally crazy. Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie. I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it. Use your elemental sight to look for clues. Sans blague. J'avais compris qu'il fallait que j'utilise ma vue élémentaire. Comment je l'ai? En cliquant sur la molette. Tadam. Oh. Et du coup, je sais pas c'est quoi le point là. Ah, F examiné. Looking at the elemental traces, oui, it does seem likely that Merci, the book was stolen. So Donna didn't do anything wrong after all. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth stealing. Whoever wanted this book so badly had a strange fixation indeed. Non, j'avais pas vu le F. So, what do we do now? The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it beyond the city walls. You must see it too, right, cutie? Let's follow the trail and have a look where our thief was headed, shall we? Non, j'ai pas besoin de lunettes, t'en fais pas. J'ai une très bonne vue normalement. What's the hurry? Même pas besoin d'utiliser la vue élémentaire. Très bien, ça me va. Et pof! Non, loupé. Pof! Merde. Et examiné. The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay for long. Bah oui, le normalement c'est parce que j'ai pas vu le F et que j'aurais dû le voir. Voilà. Moi, fais-moi rire. C'est eux qui l'ont volé. Ah non. Sanglier. Oh.
Oh merde, je l'ai loupé. Yes. Je suis pas au bon endroit. Faut que je monte. Bah oui, tu savais pas que normalement ça s'écrivait avec un F? Moi je savais. Alors c'est qui l'inculte? Là-bas. Ah donc c'est eux qui l'ont quoi. Génial. It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Ah non. Maybe we frighten the turtle back inside his shell. Y a un animoculus pas loin. Oh le rire. Alors, bad news. J'ai jamais le même rire. C'est ballot, hein. Je pourrais pas te le refaire. J'ai tout le temps des mises à jour de mon rire. Tous les jours. Même d'un rire à l'autre. Voilà. Je vais rigoler plusieurs fois dans la journée, ce sera jamais le même. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. C'est quoi ce... Ah! The thief lives inside ruins? Mondstadt people do have some strange quirks. Je t'imagine en DJ avec tes rires différents là, en mode remix et tout. Ouais, c'est possible. Je pourrais faire plein de remix. Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits chanson. Of Mondstadt's residents. This seems far more likely to be the work of some none too friendly trouble. Stealing books is hardly the hilly churl's style. All they would use books for is to keep their campfire going anyway. This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an Abyss Mage's magic. A seal? How are we gonna break it? Is this gonna turn into another huge ordeal? Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un lampadaire qui pendait à son chapeau. Why is that? Wow, une grotte. Come on. Wow. So this is what Lisa's like when she's hard at work. Tu nous fais ça pour le prochain stream, c'est ça, carré. Non. Je remixe pas, moi. Je sais pas remixer. Puis il faudrait que je m'enregistre à chaque fois pour rire. Un lampadaire. Ouais, c'est un lampadaire. Elle doit avoir la tête solide. Lanterne.
Pardon. It's so much bigger in here than Paimon thought. Alors. Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. Petit morceau de viande. Parce que lampadaire, c'est un peu lourd, je pense. Effectivement. Bah, c'est le premier mot qui m'est venu, alors j'ai dit lampadaire. Voilà. Oula, c'est quoi tous ces courants d'air? Faut que je descende? Mais il y a un coffre. Ils veulent me tuer. Oh, j'ai failli mourir. Je pensais que les lasers allaient faire plus de dégâts que ça. Ah oui, alors attends, faut que je reprenne Lisa. Yep. Oh. Ok, il y a une plateforme en dessous. Là-bas. Bien. 4. Bah. Tire dessus. Non, elle veut pas. Ça me tue quand même, même si je tombe sur une plateforme. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis obligée de recommencer. Oh, pas possible. Come a little closer. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ça a marché. Ah bah bien sûr. Voilà. Ah non, j'avais pas besoin de recommencer. Ok. Ok. Ça marche pas. You've been a naughty boy. Non, ça marche pas non plus. Mm-hmm.
Pourquoi ça allume que ceux-là? Non. Attends, alors. Réfléchis. Comment faire? Ah bah y'a que moi pour faire ça, ok. On recommence. Je commence d'ici? Ah non, il veut pas. Bah, ok. J'ai pas compris. Ah, c'est génial. La tempête sur l'eau, ça marche bien. Non ? Ah oui, d'accord. Okay. Juste F. Ok, il n'y avait rien. Je crois que j'ai loupé un truc. Non ? J'ai pas mon A. C'est bien parce que je tire sur un et ils prennent tous. Oh! Il m'a mis dans une bulle, l'enfoiré. Je suis en train de me donner des coups de jus. You're in for a little shock. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Ça va, en fait, c'est facile. Ah merde, c'est des jeux. C'est des gels. Elle. Go go Baron Bunny. Il est où le gros? Ah bah hier. J'ai chaud. Les filles échouées. Oh, il y a un temps. Je l'avais pas vu. Bet you can't keep up with me. Eh merde, y'a que moi pour faire ça. Non. Mais. That's cheating. Get him. J'ai plus que 7 secondes. C'est foutu. On recommence. Je crois que je vais recommencer le... souvent. Très très souvent. J'ai presque plus de vie. Faut que je mange. C'est quoi déjà? C'est B. Hop. Utiliser. Ah oui, mais ils sont tous raplapla là. Mmh.
Confirmer. 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 Et rassasié, il ne peut plus manger. Oh, je l'ai goinfré. Je savais pas que ça se goinfrait. Oh là là. Ah mais il n'y a que moi pour faire ça. Le machin, il a trop mangé. Oh là là. T'as un de ces vocabulaires? Oui, je l'ai goinfré. Exact. Donc, je commence par Lisa. Come a little closer. Try not to enjoy this. No one escapes by sight. Ah, dodge this. Oh non, mais c'est une blague! Mais c'est une blague! Bon sang. Il lui restait un petit cran de vie, il devait lui rester un point. Et j'ai pas commencé avec la bonne. Come a little closer. Hey, come a little closer. You're in for a No escape. Putain. Mais c'est pas possible. Michel. Je sens que ça va me saouler. C'est dur, t'inquiète, c'est normal. Oui, merci. Ça me rassure. What? J'ai fait quoi? J'ai rien compris à ce que je viens de faire. Sors de l'eau, tu gèleras pas. Enfin, moins. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire à la fin. Alors, faut que je remange du coup. Est-ce qu'elle va pouvoir manger à nouveau? Utiliser. Ça va être complexe là. L'autre il est encore bourré là. T'as pas des papillons en stock? Pourquoi ils vont pas trop me servir là les papillons? Ouais, mais si je lui donne... Ouais, autant que je lui donne après. On va pas faire de bêtises. Ok. Merde.
Putain. Je fais n'importe quoi. De toute façon, là, c'est mort. Voilà. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon, j'ai mon A sur L. Elle, elle a bientôt son A. You're in for a little shock. Come a little closer. Come a little closer. Come a little closer. Surrender and we'll be gentle. Yeah. No one escapes my sight. Oh non! Mais non, c'est pas possible! L'enfoiré! Pardon. C'est pas possible! Et c'est A de Ember, puis E maintenu de la blonde. Première fois que je t'entends rager. Ah ouais, là, mais... Ouais, là, ça me fait rager. Putain, j'y arrive pas. Allez. Ouais, j'essaie de me donner du courage, mais... Là, j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai plus chaud que pendant les travaux, là. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Oh! C'est pas possible! Non! Mais... Come a little... Ça leur fait rien. J'en ai marre. Elle me sert à rien, la voyageuse. Kia, il me sert à rien non plus, parce que lui, il est de glace. Est-ce que je peux pas améliorer mes parpaings? Peut-être un truc que je peux faire de mieux. Attends, je peux aller au niveau 40. Fast as riding the wind. L'ulti, et c'est la compétence si jamais. Tu peux les geler, les bobs d'eau. Ouais. Là, je vais surtout augmenter, en fait, au maximum. Oui, confirmé. Voilà, on a un niveau 40 de feu. C'est pas mal, non? Ça devrait le faire. Je vais aussi augmenter la magicienne. Ah, je peux pas? Si. Non, matériaux insuffisants. Ok, bon. C'est pas grave. Sa partie à elle, elle est facile. De toute façon, donc ça va aller.
planeur, on s'en fout du planeur. Ok, bon. C'est reparti. Hey, there's something strange over there. Come a little closer. Come a little closer. You're in for a little shock. Not so hard. Oh, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Je viens de péter un plomb. Donc avec Lisa, il faut que je parte tout de suite de l'eau, tout en attaquant. Et direct, je passe à l'autre. Son bouclier. Je vais jamais avoir fini. Et voilà, bah c'est foutu. Encore. Salut, Ikari. T'arrives dans le moment où je suis en train de bien rager sa mère là. J'y arrive pas, ça me gonfle. Merci, j'ai besoin de courage, vraiment, vraiment. Tu joues toi ? You're in for a little shock. Putain, il est où ? Mais c'est pas possible. Oh, so sorry. Non, ça n'a pas marché. J'ai pas pris le bon perso. Et c'est l'attaque maintenue de Lisa. Ah ouais, ça faisait 2 ans que t'as pas joué. Non, 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 pas jusqu'à 1h du mat. T'exagères là, Mochi. Enfin, j'espère en tout cas. Après, il aurait peut-être fallu que je prenne une autre équipe. Ah ! C'est ton temps de jeu ! Ah ouais. Seems all the other knights already have their hands full. Pas mal, hein.
Merde, j'ai pas pris le bon perso pour commencer. Come a little closer. You're in for a little shock. Oh, il est mort. Doesn't look good. No one escapes by sight. Putain, il était pas dessous. Aïe, 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 aïe. En plus, c'est même pas le dernier. Je dois faire celui-là, là. Et après, il y a celui-là qui va se déverrouiller là-bas. Plus tu restes proche, plus tu te feras toucher. Ouais, bah oui. Mes persos sont pas assez up. Alors elle, elle est au niveau 40. Je viens juste de la lever au niveau 40. Elle était niveau 20 à la base. Et Lisa, je peux pas la lever au niveau 40 parce que j'ai pas assez d'éléments. Ah, on sent. Je vais regarder justement les artés. Oula. Plus zéro, bah oui, mais ça donne rien du tout ces trucs-là. Ah, vous vous connaissez Silex et Ikari? Comment je fais pour savoir les bons niveaux de ce truc là? Ah merde, c'est lui qui l'a. Je vais lui mettre ça. Essaie de mettre le maximum de maîtrise élémentaire pour ton perso de vent et de feu. Alors, je renforce. Comment je fais? Du coup, faut que je sélectionne plusieurs choses du même niveau. C'est pas ça? Vous en sélectionnez combien? Renforcer. Ok. Oh putain. Ça va être long là. Ah, je dois arrêter. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'était pas ça. Bon, j'arrête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors du coup? La durée des artés de la plus haute rareté que t'avais. Ah, c'est grave du coup. J'imagine que c'est grave si tu le dis.
Mais moi, il y a marqué plus zéro, je suis vas-y, c'est bon. Clic droit de filtre. Attends. Clic à droite de filtrer. À droite. Merde. Ok. Après. C'est un peu plus grave. Oui, effectivement. Donc là, je dois faire quoi ? Attaque. Je pense qu'il va falloir que je recommence le temple. Voilà, sélectionne maîtrise élémentaire, puis recharge d'énergie et après attaque. Maîtrise élémentaire. Attends, c'est quoi le troisième ? Recharge d'énergie. En vrai, tu peux le faire. Si tu abandonnes, commence jamais Elden Ring. Mon stuff. Bah ouais, en fait, Ember, je l'aime pas trop. Du coup, je l'ai pas trop regardé. Pour tous les artés, tu mets les premiers. Je suis... Parce que le filtre, il est... Ah oui, il est tout le temps. Ok. Ah là, c'est lui qui le porte. Je vais mettre celui-là, du coup. Voilà, allez. Voilà. Tac. Montre ce que t'as. Alors, l'arme. Voilà. On va remplacer du coup, j'imagine. Ou renforcer. Montre les stats des autres armes. Comment ça ? Ça c'est la même. Après, ça, c'est des petits. Un petit truc à la con. Hop, là, c'est tout le même. Arc du corbeau. Ah, celui-là. Ok. Dis-toi que Ember, perso, le plus nul, est la moins aimée. D'accord. Premier de la deuxième ligne, première colonne. Oui, d'accord. Vous avez dit la même chose. Y a pas de souci. Tu fais pareil avec la blonde. J'ai appris que Dory existait. Du coup, alors je prends arc du corbeau. Mais il faut que je le renforce. Je peux pas le laisser comme ça. Comment je fais ? Prendre des petits. Faut faire ajout automatique. Ok, niveau 17. Je peux pas prendre du niveau 2. Tu feras pas de gaffe comme ça, ça met les moins rares en premier. Ok. Ah, y a plus. Sinon, faut que je passe au deuxième étoile.
Oui, y'a que ça. Et je renforce quand même. Ok, niveau 20. Pas 3 étoiles. De toute façon, là, je peux plus augmenter. Donc, ok. C'est quoi ça? Ça sert à rien, j'imagine. Aptitude. Faut augmenter les aptitudes, non? Ah non, je peux pas augmenter. Lorsque le personnage atteint la phase d'élévation 2. J'ai tout compris. Go sur la blonde. Ouais, mais la blonde, elle me sert pas, là. Faudrait que j'augmente elle. Non, elle, pardon. Ouais. Laquelle est la mienne? Ah, il me manque un truc. C'est quoi ça? Éclat de diamant scintillant. Phase d'élévation, c'est les stages après avoir up de niveau. Après le niveau 20, 40, etc. À la magicienne si tu veux. Bah ouais. Ah ouais, la plus importante c'était elle à élever. Son arme elle est niveau 19. Ah ouais, je peux rien faire. Non, je peux rien faire. Oui, effectivement, c'est un perso essai. Ok, go la blonde. Donc, artefact, on a dit. Remplacer. Filtrer. Non, c'est pas ça. Là. Donc on a dit. Attaque. Maîtrise et recharge. Ouais, là, le deuxième niveau. Hop. C'est... Tac. Là, on va lui donner celle-là. Ok. Arme. Faut mettre le bon ordre. Ah ! En plus, il y a un ordre. Merde. Je me suis encore trompée. Donc, on recommence. Maîtrise élémentaire. Attends, je me rappelle plus. Donc, après, on a attaque et recharge. Ah. Ok. Je peux le mettre ça là? Pourquoi il y a un verrou là? Ah, c'est une épée à une main. Attends. Il ne peut plus être utilisé comme matériau de renforcement ou de raffinement. Épée à une main. Elle a que des une main. Ouais. Je reviens sur la plume, j'ai pas mis le bon. Ah, on recommence. J'ai mis la première. Non, attends. Maîtrise. Pourcentage, recharge. Ok. Donc je lui pique celle-là.
Ok. Voilà. Comme ça, ça c'est bon. Les autres aussi? C'est pas possible. Elle, c'est la, elle qui l'a. La plume, je viens de la changer. Là, ok. Là, c'est la meilleure. Là, c'est la meilleure. Non, j'utilise pas Noël. Je sais même plus c'est quoi comme perso. Alors, du coup là, le sablier, je fais quoi? Mais lui, le deuxième. Ah, c'est elle, Noël. Oui, d'accord. Mais j'avais pas vu. Oups. Ouais, sinon c'est bon. Et en coup? C'est quoi en coup? Elle a la meilleure. Non, il y a R. Je prends la meilleure épée. C'est pas mal ça. ...7,7 en attaque, 39 d'attaque de base. Je mettrais bien celle-là, non? Les autres, elles sont pas... Ah oui, toutes celles-ci, c'est les mêmes. Puis je renforce. Et j'ai que ça. Ah ouais. Ouais, ouais, allez, au niveau 19, ça. 20. Niveau 20. Hop, c'est bien. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. Elle, elle est au max. Son arme, je m'en rappelle plus. Oui, elle est au max aussi. Ah, je peux élever... Ah non, il me manque un truc pour élever l'arme. Je t'ai dit bon chance. Ouais, j'ai pas farm. Exact. J'aurais dû. Je regrette. Oh. Je suis pas prête. On a eu, je vais encore galérer là. Ouf. You're in for a little shock. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. Merde! C'est pas le bon que je prends. You're in for a little shock. Go, go, Baron Bunny! Merde!
Ok, bon. Je me suis trompée de perso, mais sinon j'aurais réussi. Ok, ça marche. On recommence. That's me. Par contre, peut-être que je lui donne à manger, elle. On recommence. Elle va bouffer un peu. Je lui donne un poulet. Bam. Allez. You're in for a little shock. Come a little closer. Be gone. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Mais oh! Non! Je me suis encore trompée! Let it rain! Il en reste un. Là-bas. Non ? Je peux pas ? Faut que je le réactive encore là-bas ? C'est une blague. Épreuve finale. C'était pas l'épreuve finale là que j'étais en train de faire? Oh. You're in for a little Hey, look, it's an abyss mage. Oh, non, toujours pas. Lisa was spot on. What? Oh non, mais c'est pas possible. Oh là là, ça va me gonfler ça. J'ai réussi. How did you find this place? It's so well hidden. C'est pas possible, j'ai réussi. Oh oui. Alléluia. Ah, oh, j'en pouvais plus. J'avais la tête en ébullition. Ouais, bah merci pour les conseils et tout, Silex. Hein. Franchement, je pense que j'aurais pas réussi sinon. Oh là là. I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Ça fera 20 euros. Je croyais que c'était des conseils gratuits, moi. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the
this reason to give you that book? After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Please don't! Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. Tout ça pour un livre. C'est quand même dingue. Ah. It's the Pale Princess and the Six Pygmies. Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise... Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me? Are you in some way dissatisfied with my work? Good. You're amenable to reason, then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. Et voilà! Le temple est fini. Alléluia! Il n'y a rien d'autre dans cette pièce. Et maintenant, faut que je retourne à la... Elle m'a gavé là, Lisa. Ça m'a fatigué. Oh, un coffre. Another target tracked down by Outrider Amber. Ah, franchement, il était hard. J'avais pas encore autant galéré dans ce jeu. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Notre rémunération. You are a voracious one, aren't you? Look, over there on the shelf. Isn't that the Teyvat travel guide? J'ai rien vu. Oh. Oh, je suis mal barré alors. And look how many copies there are. Mais maintenant j'ai compris qu'il était vivement recommandé d'augmenter les persos. The Teyvat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one.
Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Tavok travel guy was just bait to get us to do a day's work! I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow! Lisa went and bought us some special souvenirs! In fact, they were intended for our next outing. But, never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. Okay. Et voilà. Un combattant féru de lecture. Vous pouvez augmenter votre niveau d'aventure par les moyens suivants. Oui, les quêtes, les coffres, les succès de votre guide d'aventurier. Ah oui, il faut que j'aille récupérer mes récompenses, moi. Exact. L'expérience d'aventure que vous obtiendrez vous permettra d'améliorer votre niveau d'aventure. Oui. De nouveaux défis apparaissent également lorsque votre niveau d'aventure augmente. Je vais chercher mes récompenses. I'll race you there. Je pense que ce sera la dernière chose que je vais faire là pour la soirée. Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ça m'a épuisé. Trop de combats. Alors, récupérer les récompenses. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Yes. Après, j'ai Astra Abyssosk. Welcome. Oh, ah oui. Ouais, c'est vrai, ça fait déjà 2 heures. Et c'était intense. Très intense. Trop intense. Attends, j'ai pas un autre truc aussi. Ad Astra Abyssosk. Expédition, c'est ça. Hop, récupérer. Explorer de nouveau. Récupérer. Explorer de nouveau. Ah, j'ai le droit à 2 expéditions maximum. Ah oui. Je sais pas si je pourrais augmenter à un moment. J'aurais peut-être dû les envoyer faire autre chose. Elle, juste pour de la viande, vas-y. Oh, c'est quoi, c'est un œuf? Ah oui, œuf d'oiseau, ok. Bon. Hop, on récupère toutes les petites récompenses. Tac. C'est quoi ça? Chanson de dragon. Hop, on récupère ça. Après, ça c'est quoi? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Les succès? Je crois que c'est tout. Ok. Ah non, ça c'est...
Merci pour le follow, Para. T'avances vite ton niveau. T'as fait un niveau entier, là. Ouais, c'est vrai. Et hier, j'ai pris deux niveaux. Attends, quoique, attends. Là, j'ai commencé, j'étais niveau 15. Ouais, c'est ça. Ouais, et hier, j'étais niveau 13. Je régresse. Ouais, effectivement. Je pourrais faire mieux. Ça, c'est quoi? Ah oui. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Récompense de retour. Ah oui, non mais... C'est vrai, tu m'as expliqué hier, ça apparaissait une fois que... Quand je venais pas souvent. Hop. Ça. Ah oui, ça c'est les vœux. Alors, est-ce que j'aurais quelque chose à faire? Au nom de la Rosula. Navia. Lotus. Elle, c'est l'eau. Je crois que j'ai personne encore d'eau. Je garde. Ah d'accord. Ok. Bah je garde alors. Et bah j'ai fait le tour. Ça c'est la nouvelle quête. Niveau d'aventure 26. Pour l'acte 1. Parce que déjà c'est des persos où faut aller à un certain endroit pour les up. Ah. D'accord. Je peux pas avancer là mes actes. Là, il me faut le niveau 18, je suis niveau 16. Je peux faire juste les petites quêtes maintenant. Bon. Et ben je vais m'arrêter là ce soir. C'est déjà pas mal, je trouve. Bon, j'espère que vous êtes pas trop ennuyés, hein, parce que pour moi, c'était pas le cas. Je me suis pas ennuyée. Faut que tu fasses des boss pour up tes persos et ton niveau. Ouais, effectivement, j'ai pas mal de choses à récupérer. Hey, toi, je pense pas que tu te sois ennuyé. Hein. Je t'ai bien moqué. Come on, let's take a look. Ouais, try out. Oh, c'était dur. T'as une demande de jeu. Encore? Tu as acquis pas mal de connaissances. Ouais, 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 bah Silex m'en a dit pas mal aussi. Hein. Heureusement. Maintenant je sais comment comment chercher les objets à utiliser. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que je relive, mais c'est sûr dans la semaine. Je pense pas demain. Demain, je vais me laisser tranquillou la journée. Sûrement mardi. Allez, salut, à la prochaine. Bisous, bisous.